suis professeur d'informatique et je fais de la recherche sur la performance du logiciel. Avec plusieurs collaborateurs, on a travaillé sur une librairie logicielle qui est une librairie qui montre qu'on est capable de traiter beaucoup plus rapidement qu'on pouvait le croire les données qui sont transigées de façon courante sur Internet entre les systèmes d'information et puis les différentes applications. Pour faire une analogie, si les instructions habituelles sont des voitures sur la route, les instructions SIMD sont comme des autobus. C'est-à-dire que une voiture peut transporter une personne du point A au point B, mais l'autobus peut transporter 40 personnes du point A au point B. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on fait plusieurs choses d'un seul coup. Donc, c'est un peu le secret de Cindy Jason. Au lieu de travailler octet par octet, petit bout par petit bout, on prend des grands blocs de données et puis on les traite de façon simultanée. On estime que dans les années à venir, une fraction substantielle de la consommation d'électricité va avoir trait au centre de données. C'est un enjeu environnemental de faire en sorte que l'informatique consomme moins d'énergie, donc soit plus verte en quelque sorte.